quelqu'un qui te vient en aide pendant que lui-même il se cherche. Ce n'est plus de l'aide, on appelle ça de l'amour. Ce genre de personnes sont pas difficiles à reconnaître. Dès que tu as un petit problème et que tu l'appelles, tu finis par le parler en même temps. Voilà, lui il vient, oh, on dit pas son nom de faux. Monsieur Konaté Ibrahim, il est conseiller municipal. Je ne me suis pas encore trompé. Il est également opérateur économique. Je ne me suis pas encore trompé. Et enfin, il est homme politique. Suivez mon regard. Il faut bâtonner tout cela. Monsieur Konaté Ibrahim, soyez le bienvenu. À vous et à votre délégation. J'avais dit, monsieur Konaté Ibrahim, vous êtes président d'honneur un mot ou bien président d'honneur deux mots. Dans votre intervention, vous avez dit je suis président d'honneur un mot. On a comme ça. Et vous avez fait parler votre cœur. Merci beaucoup. Je savais que nous allions toujours nous retrouver parce que le sommet des hommes se rencontre toujours. Et à la faveur de cette moisson, vous êtes là pour dire que vous n'abandonnez jamais les habitués. Lorsque vous avez pris un engagement, vous allez jusqu'au bout de votre engagement. Par vos prières, par nos prières, nous tous, la Côte d'Ivoire a foulé le pied. Donc de continuer à prier encore pour la paix en Côte d'Ivoire. Amen. Et de prier encore pour la stabilité de ce pays. Amen. Parce que notre bénédiction est liée à la bénédiction de la Côte d'Ivoire. Amen. S'il y a des coups de fusil, des bruits de bottes, on ne serait pas assis là tous en train de parler. Alléluia. Et chacun serait dans une forêt en train de manger des fruits. Non, mais c'est grâce aux prières. Donc de continuer à prier pour la commune. De continuer à prier pour la Côte d'Ivoire. Et de faire en sorte que les élections qui arrivent, les élections qui arrivent, qu'il y ait la paix et la stabilité. Je leur dis que moi, Ibrahim Konaté, quand je dis je peins, et que je serai là aujourd'hui pour pouvoir le soutenir. Parce que ce n'est pas la politique qui nous lie, mais c'est la foi qui nous lie. Amen. Je suis saint musulman, mais l'unicité de Dieu fait que lorsqu'on m'appelle dans une église, dans une tente, moi, Konaté Ibrahim, je réponds présent. Président d'honneur, un coup, c'est important parce que celui qui donne, si c'est deux coups, il va changer. Et si c'est un coup, il ne changera jamais. Raison pour laquelle autour de moi, il y a toujours des pasteurs. Et mon porte-parole, lorsqu'on rentre dans les églises, c'est le frère, papa de l'or. J'avoue, j'ai été heureux d'entendre le pasteur prêcher la paix. On est arrêté là. Il a dit que la paix dans ce pays, la Côte d'Ivoire, nous est chère, soit une paix durable. La paix n'a pas de coloration politique. La paix n'a pas de sensibilité régionale. La paix en Côte d'Ivoire, c'est une darée rare et nous devons lutter pour qu'enfin il y ait cette paix. C'est grâce à cette paix qu'on se permet de s'asseoir et prêcher les paroles d'évangile. Il faut que les fils de la Côte d'Ivoire soient unis et au nom de la paix, continuent de prier dans les paroisses, dans les mosquées et dans toutes les confessions religieuses. Monsieur Konaté Ibrahim nous a beaucoup reçu. C'est un homme généreux. C'est un homme qui a beaucoup de cœur et qui est disponible pour son prochain. Quel que soit le programme, il s'arrange toujours pour répondre favorablement lorsque les hommes de Dieu
l'appel. Et lorsque la population aussi a besoin de lui, il répond toujours présent. Je voudrais qu'on l'acclame très fort. Grand frère Konaté, sache que le fait que vous soyez venu à Mont Sinaï aujourd'hui à cette fête de poisson, que toute la bénédiction qui accompagne et qui découle de cette fête et la grâce qui accompagne cette boisson soit votre partage. Amen. Et que l'année 2021 qui va démarrer avec beaucoup de rendez-vous politiques, que Dieu vous soutienne. Amen. Parce que en voulant faire du bien aux Ivoiriens et à sa population, c'est à Dieu que vous faites du bien. Et ce Dieu-là vous sera reconnaissant au moment où vous aurez besoin de lui, en tout lieu, que ce soit dans la joie ou en difficulté, Dieu se souviendra toujours de vous. Et ceux qui sont avec nous là, on les reconnaît. Chinois de Rouen, ceux qui sont contre de nous, on les reconnaît. Marcel Zélé, ceux qui sont avec nous là, on les reconnaît.